Salut! Hi, this is Anthony from Explore French, and in this A1 level podcast, I will speak about furniture and feng shui. We will talk about maids' rooms in Paris, how to equip small spaces, and how to organize your interior according to the Chinese art of feng shui. We will practice the vocabulary for colors, rooms, and furniture. We will clarify the difference between falloir and devoir to translate must, have to. We will practice advanced prepositions of location such as near, next to, opposite, between, far from, etc., and much more. In the first part of this podcast, I will speak French only, and in the second part, I will translate and explain everything I said in English. To make the most of this podcast, transcripts and language activities are available on my website www.explorefrench.com. Dans le podcast précédent, nous avons parlé des différents types de logements. Nous avons parlé des maisons des appartements, des studios, mais nous n'avons pas parlé des chambres de bonnes. Mais de quoi s'agit-il? Les chambres de bonnes sont de très petits studios d'environ dix mètres carrés. On les trouve principalement à Paris, au dernier étage des anciens immeubles sous les toits. À l'origine, les bonnes des familles riches c'est-à-dire les employés de maison des familles riches y vivaient. Les familles riches vivaient dans les étages au-dessous. En général, dans les chambres de bonne, il n'y a pas de salle de bain ni de toilette. Une salle de bain et des toilettes communes se situent à l'extérieur. En général, il n'y a pas d'ascenseur non plus. Aujourd'hui, les chambres de bonne sont principalement occupées par des étudiants. Vivre dans un studio ou dans une chambre de bonne peut être difficile, surtout pour l'aménagement de l'espace. Oui, car les meubles prennent souvent beaucoup de place. Comme les petits logements sont de plus en plus populaires, il existe de plus en plus de meubles originaux et multifonctions. Par exemple, pour cacher une cuisine, il existe des placards avec réfrigérateur, lave-vaisselle et cuisinière intégrée. Les escaliers peuvent être utilisés comme bibliothèque pour ranger les livres, ou comme placard pour cacher les produits d'entretien. Un placard, une armoire ou des tiroirs peuvent être aménagés sous un lit surélevé. Il existe enfin des tables et des chaises pliantes, voire des meubles convertibles avec lesquels un lit peut devenir un bureau avec des fauteuils. Quand on vit dans un logement un peu plus grand, ce qui est bien, c'est qu'il y a plus de pièces et plus de meubles. On peut donc faire plus de choses. Par exemple, on peut faire la sieste sur le canapé dans le salon, et on peut dormir sur le lit dans la chambre dans le salon nous pouvons aussi nous asseoir sur un fauteuil pour feuilleter un magazine et nous pouvons aussi nous allonger sur le lit pour lire un livre dans le cagibi vous pouvez ranger des vêtements et des affaires vous pouvez vous reposer dans le salon ou la chambre et aller dans la cuisine lorsque vous avez un petit creux et puis avec des toilettes à l'intérieur du logement, c'est plus pratique pour aller faire pipi et aller faire caca. Une autre chose qui est bien quand on vit dans un logement un peu plus grand, c'est qu'on peut varier la couleur des pièces. On peut peindre les murs avec des couleurs différentes, mais attention, la couleur des murs doit être assortie. À la couleur des meubles. Par exemple, si le salon est bleu, les meubles peuvent être marrons. Si la cuisine est jaune, les meubles peuvent être rouges. Si la salle de bain est blanche, les meubles peuvent être noirs. Si la chambre est verte, les meubles peuvent être oranges. Le rose et le violet peuvent convenir aux toilettes. Pour certaines pièces, les couleurs chaudes conviennent mieux. Pour d'autres pièces, les couleurs froides sont plus adaptées. Choisir l'emplacement des pièces et des meubles, choisir leur forme, leur couleur et leur disposition, tout ça a un impact sur notre esprit. En Chine, l'art d'aménager les espaces pour vivre mieux s'appelle le feng shui. Cette pratique est de plus en plus à la mode en Europe. Les règles du feng shui sont basées sur l'interaction entre les deux forces opposées mais complémentaires, yin et yang. Il peut s'agir de la luminosité et de l'obscurité, du chaud et du froid, etc. Les règles du Feng Shui sont aussi basées sur l'harmonie entre les cinq éléments, ou Xing en chinois. Les cinq éléments sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Les cinq éléments sont associés aux cinq directions, le sud, le nord, l'est, l'ouest et le centre, et ils sont aussi associés aux couleurs, aux saisons, aux saveurs, aux odeurs et à beaucoup d'autres choses. Pour avoir un logement feng shui, vous devez faire attention à la disposition du mobilier. Et vous devez aussi faire attention aux couleurs. Par exemple, il faut mettre le canapé en face d'une fenêtre et le canapé doit être placé contre un mur. Il faut mettre les fauteuils en face du canapé et une table basse doit être placée entre les fauteuils et le canapé. Il faut placer une lampe près du canapé et les plantes doivent être mises dans les coins de la pièce. Enfin, dans la cuisine, il ne faut pas mettre la cuisinière à côté de l'évier, et il ne faut pas mettre le frigo trop loin de l'évier. En tout cas, une chose est sûre, mon logement ne respecte absolument pas les règles du feng shui. Dans le podcast précédent. In the previous podcast. Nous avons parlé. We spoke. Nous avons parlé des différents types de logement. We spoke about different types of accommodation. Les différents types de logement. Parler de quelque chose is to speak about something parler des logements to speak about accommodation nous avons parlé des maisons we spoke about houses des appartements flats des studios studios yeah i have to repeat about every time parler des maisons des appartements et des studios It's like saying we spoke about houses about flats and about studios. Mais nous n'avons pas parlé. But we didn't speak. Nous n'avons pas parlé des chambres de bonne. We didn't speak about maids' rooms. Les chambres de bonne maids' rooms we are going to talk about that now. Mais De quoi s'agit-il? But what is it about? S'agir de is a reflexive verb. It can be translated by to be or to be about. It is used to give an explanation and always used with the pronoun il, like it, which is an impersonal pronoun. You know, il doesn't refer to anything, just like when you say. It rains or it's raining. It doesn't refer to anything. Il s'agit de, it is about. Mais de quoi s'agit-il? But what is it about? Here I reverse the subject and the verb to make my question. Il s'agit becomes s'agit-il. De quoi? About what? De quoi s'agit-il? is literally like about what is it what is it about les chambres de bonne maids rooms sont de très petits studios en very small studios d'environ 10 mètres carrés of about 10 square meters mètre carré means square meter on les trouve principalement à Paris. Literally, one find them mainly in Paris. You know, so they can mainly be found in Paris. Au dernier étage des anciens immeubles. On the last floor of old buildings. Le dernier étage is the last floor. In French, we use the preposition à with étage. au premier étage, on the first floor, au deuxième étage, on the second floor, au troisième étage, on the third floor, etc. Hein? au dernier étage, on the last floor. Les anciens immeubles means uh, old buildings. More precisely, un immeuble Is a block of flats. Sous les toits, under the roofs. Un toit is a roof. À l'origine, originally. Les bonnes des familles riches, the maids of wealthy families, or wealthy families' maids. C'est-à-dire, that is to say, les employés de maison des familles riches. An employé de maison, uh, literally an employee of the house, it means a member of domestic staff or a member of household staff. So les employés de maison des familles riches, the domestic staff of wealthy families, y vivait, used to live there. Y is a pronoun. It means there. Vive is the imperfect of vivre, to live. Elles y vivaient, they were living there or they used to live there. Les familles riches vivaient dans les étages au-dessous. Wealthy families used to live. Elles vivaient, they used to live. Elles vivaient dans les étages au-dessous on the floors below here it's totally fine to say dans dans les étages au dessous literally in the floors below au dessous means below en général usually dans les chambres de bonne in maids rooms il n'y a pas de salle de bain there is no bathroom ni de toilette. No toilet. Pas de bla 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 ni de bla 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 means not blah 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 nor blah blah blah. Yeah? To exclude two things. Il n'y a pas de salle de bain ni de toilette. To express the absence of something, we always say pas de, meaning like not any. Yeah? Il n'y a pas de salle de bain, literally there is not any bathroom. Ni de toilettes, nor any toilet. Une salle de bain et des toilettes communes. Commune here is the feminine of commun, it means shared, something you share with other people. Une salle de bain commune is a shared bathroom des toilettes communes en shared toilet. une salle de bain et des toilettes communes, shared bathroom and toilet. se situent, located, à l'extérieur, outside. en général, usually, il n'y a pas d'ascenseur non plus. there is no lift either. non plus, At the end of a negative sentence means not either. Yeah? There is not any lift either. Il n'y a pas d'ascenseur non plus. Aujourd'hui, today, les chambres de bonne made rooms, sont principalement occupées, or mainly occupied, par des étudiants, by students. vivre dans un studio, living in a studio flat, ou dans une chambre de bonne, or a maid's room, peut être difficile, can be difficult, surtout, especially, pour l'aménagement de l'espace. L'aménagement is the layout, or the equipment, or the organization. It's basically to decide what to put where. The verb is aménager. Aménager can be to equip, to fit out, to organize. L'aménagement de l'espace is like the organization of the space. I could say in French l'organisation de l'espace. Oui, car les meubles prennent souvent beaucoup de place. Yes. Because furniture often take much room. Meubles, meaning furniture, can be either singular or plural in French. Un meuble is one piece of furniture. Des meubles are pieces of furniture. And if you want to speak about furniture as a whole, we use another word. Le mobilier. Prendre. Beaucoup de place is to take much room. Les meubles prennent souvent beaucoup de place. Furniture often takes much room. Car at the beginning of a sentence is introducing the cause. It can be translated with since, for or because. Another way to introduce the cause at the beginning of a sentence is comme. Just like in the following sentence. Comme les petits logements sont de plus en plus populaires. Since or for small accommodation are more and more popular. Il existe, there exist, de plus en plus de meubles originaux et multifonctions. More and more original and multifunction furniture. Par exemple. For example, pour cacher une cuisine, to hide a kitchen, cacher means to hide. Il existe des placards avec réfrigérateur, lave-vaisselle et cuisinière intégrée. Un placard is a cupboard in British English, a closet in American English. Il existe des placards there exist cupboards or closets avec réfrigérateur with refrigerator lave-vaisselle dishwasher et cuisinière and cooker intégré means integrated built-in you know? so un placard avec réfrigérateur lave-vaisselle et cuisinière intégrée is like a cupboard or a closet with built-in refrigerator, dishwasher and cooker. Les escaliers, the stairs or stairs, peuvent être utilisés comme bibliothèque, can be used as a library. Une bibliothèque is a library. Pour ranger les livres. To put books away. Ranger is to tidy up, to put things away. Ranger is basically the action of putting things back where they should be stored in order to keep the space clean. So, les escaliers, stairs, peuvent être utilisés comme bibliothèque pour ranger les livres. Stairs can be used as a library to, in order to, Store the books, or put your books away. Ou, or, comme placard, as a cupboard, as a closet. Pour cacher les produits d'entretien. To hide, in order to hide household products, or cleaning products, les produits d'entretien. Un placard, a cupboard. Une armoire, a wardrobe ou des tiroirs or drawers peuvent être aménagés, can be set up or fitted out. sous un lit surélevé, under an elevated bed. The verb élever means to raise, to elevate. It's basically to increase the height of something. élever as an adjective Means elevated or raised, but we don't know if it's to chest level, eye level, but it's just made higher than usual. Yeah? Un lit élevé is like an elevated bed. Il existe enfin, there exist lastly, or lastly there exist, des tables et des chaises pliantes, foldable tables and chairs. Plier, is the verb to fold. Pliant means foldable. Une table pliante, a foldable table. Une chaise pliante, a foldable chair. Il existe enfin des tables et des chaises pliantes, voir. Or even, voir des meubles convertibles, or even convertible furniture avec lesquels, with which, un lit peut devenir un bureau, a bed can become a desk, avec des fauteuils, with armchairs. des meubles convertibles avec lesquels un lit peut devenir un bureau, avec des fauteuils. convertible furniture, with which a bed can become a desk, With armchairs. Quand on vit dans un logement un peu plus grand, literally, when one is living in larger accommodation. Ce qui est bien, what is nice, c'est qu'il y a plus de pièces et plus de meubles. It is that there are more rooms and more furniture. on peut donc faire plus de choses. it is then possible to do more things. literally, one can then, as a consequence, yeah, one can then do more things. Yeah, it is then possible to do more things. on peut donc faire plus de choses. par exemple, for example, on peut faire la sieste sur le canapé, dans le salon. It is possible to have a nap on the sofa in the living room. On peut means one can, people can. It is possible to. On peut faire la sieste. It is possible to have a nap. Faire la sieste is to have a nap. Sur le canapé, on the sofa. Dans le salon, in the living room. et on peut dormir sur le lit. And it is possible to sleep on the bed. Dans la chambre. In the bedroom. Une pièce is a room. Any room. Une chambre is a bedroom to sleep. Dans le salon in the living room. Nous pouvons aussi nous asseoir sur un fauteuil pour Un magazine. We can also sit down in an armchair to flip through a magazine. So here, instead of saying on peut, I'm saying nous pouvons. It's actually just for the sake of practicing the conjugation of pouvoir. I could have said on peut. You know? Nous pouvons is literally we can. Nous pouvons aussi nous asseoir. S'asseoir is reflexive. It means to sit down. Nous pouvons aussi nous asseoir. We can also sit down. Sur un fauteuil. On an armchair. Pour feuilleter. Feuilleter. It comes from une feuille, which is a leaf. Feuilleter means to flip through a book or a magazine, something like this. Feuilleter consists in turning pages in a book or in a magazine, for instance, without really reading the contents. You know? Feuilleter. Feuilleter un magazine. Et nous pouvons aussi. And we also can. Et nous pouvons aussi nous allonger. Lay down. Sur le lit. On the bed. Pour lire un livre. To read a book. s'allonger is also reflexive it means to lay down s'allonger dans le lit to lay down in bed dans le cagibi in the box room in the storage room le cagibi vous pouvez ranger des vêtements et des affaires you can put your clothes and your belongings away les affaires is like the belongings, mes affaires, my belongings, my stuff. Here again, I could say on peut. On peut ranger des vêtements et des affaires because it's like a general truth, like one can, one can do that. It is possible to do that. I'm just using vous like you to practice conjugating can, pouvoir in French, yeah. Vous pouvez ranger des vêtements et des affaires. Vous pouvez vous reposer. You can rest. Se reposer is also reflexive. It means to rest. But keep in mind that rester in French doesn't mean to rest. It's a false friend. It means to stay. To stay at the same place. Vous pouvez vous reposer dans le salon. ou la chambre. You can rest in the living room or the bedroom. Et aller dans la cuisine. And go to the kitchen. Lorsque, which is like quand, meaning when, lorsque vous avez un petit creux. Ou quand vous avez un petit creux. When you have the munchies. Avoir un petit creux it's like to have the munchies to be a little bit hungry et puis and also et puis avec des toilettes à l'intérieur du logement with toilets inside the accommodation à l'intérieur inside à l'extérieur outside c'est plus pratique it is more convenient Yeah, to say convenient, in French, we don't say convenient, doesn't exist. Yeah, we say it's more practical, c'est plus pratique. Pour aller faire pipi. To go for a pee. Et aller faire caca. And go for a poo. Yeah, faire pipi, faire caca. I thought you may find this useful. Une autre chose qui est bien. Another thing that is good or which is good, qui est bien, quand on vit dans un logement un peu plus grand, when you live in a larger accommodation, yeah, literally, when one is living in an accommodation a bit bigger, like a larger accommodation, un logement un peu plus grand. C'est qu'on peut varier la couleur des pièces. It's that we can vary or diversify the colors of the rooms. Varier means to vary, like to diversify, to make something more diverse. Varier. La couleur des pièces, the colors of the rooms. In French, I have to say la couleur, singular, des pièces, of the rooms. Saying this, I'm considering that there is just one color per room. One room is one color. So it's la couleur des pièces and not les couleurs des pièces. Plural. That would imply that there are many colors in each room. So, quand on vit dans un logement un peu plus grand, when you live in a larger accommodation, une autre chose qui est bien another thing that or which is good c'est que it is that c'est qu'on peut it is that we can it's possible to varier la couleur des pièces vary on change or diversify the colors of the rooms on peut peindre peindre means to paint on peut peindre It is possible to paint les murs, the walls, avec des couleurs différentes, with different colors. Mais, attention. But, be careful. Attention. La couleur des murs, the color of the walls, doit être assortie à la couleur des meubles. Has to go well or to match. the color of the furniture être assorti à quelque chose means to go well with something or to match something la couleur des murs doit être assortie à la couleur des meubles here i'm using devoir meaning must or have to you know? this is a personal verb it means that you can use it with any pronoun any person like je tu il elle nous vous il elle and i can say je dois i have to i must tu dois il doit nous devons we have to we must vous devez you have to you guys you must et ils doivent elles doivent they have to the other verb to say must or have to is falloir. Falloir is impersonal. It means that there is just one possible form with il. With impersonal verbs, il doesn't mean he or it referring to a thing. We just use it because we need a subject, but it's not referring to anything in particular. It's exactly like in English with verbs such as to rain, to snow. When you say it is raining, it is snowing, it doesn't refer to anything. It's just there because we need something. It's exactly the same thing in French. Falloir is impersonal for the present tense. There is just one form, il faut. Il faut can be translated by uh, it is necessary to. One must, people must, or one has to, people have to, etc. Usually, it's to introduce a general truth, something that everybody has to do, or everybody must do. So now, to take a very basic example. If I say, il faut être gentil, this can be translated in English by, you have to be nice, you have to be kind. But not you, not you personally, just in general. So we could also say one has to be nice. It is necessary to be nice, to be kind. But now, if I say tu dois être gentil with devoir, this means you, you personally. You have to be nice. You have to be kind. So we are going to practice devoir and falloir a bit later. Par exemple, for example. Si le salon est bleu. If the living room is blue. Les meubles peuvent être marron. Furniture can be brown. Bleu is blue. Marron is brown. Si la cuisine est jaune, if the kitchen is yellow, les meubles peuvent être rouges. Furniture can be red. Jaune is yellow. Rouge is red. Si la salle de bain est blanche, if the bathroom is white, les meubles peuvent être noirs. Furniture can be black. Blanc is the masculine form of white. blanche is the feminine form of white. blanc, blanche. noir is black. si la chambre est verte, if the bedroom is green, les meubles peuvent être orange, furniture can be orange, vert is green masculine. Verte is green, feminine. Orange, orange. Le rose et le violet, pink and purple, peuvent convenir aux toilettes. Can be suitable for the toilet. Convenir is to be suitable. Convenir à quelque chose is to be suitable for something. Pour certaines pièces, font some rooms, les couleurs chaudes conviennent mieux. Warm colors are more suitable. Ils conviennent, elles conviennent, means they are suitable. Elles conviennent mieux, they are more suitable. Literally, they suit better. Pour d'autres pièces, For other rooms, les couleurs froides sont plus adaptées. Cold colors are more suitable or more appropriate. Choisir l'emplacement des pièces et des meubles. L'emplacement is like the place, the spot, the location. So choisir l'emplacement is to choose the place, the spot, the space. Yeah? So, choosing the place for rooms and furniture. Choisir leur forme, choosing their shape. Leur couleur, their colors. Et leur disposition, and their layout. Tout ça a un impact sur notre esprit. All that has an impact on our mind. Tout ça is all that. tout ça. a un impact, has an impact. l'esprit is the mind. sur notre esprit, on our mind. en Chine, in China. l'art d'aménager les espaces pour vivre mieux, the art of arranging spaces to live better, s'appelle le feng shui. is called feng shui. so um, uh, feng shui is a chinese word. literally, it means the wind, feng, and the water, shui. but in french, we don't pronounce feng shui. yeah, most french people don't speak chinese. so the french pronunciation is feng shui. feng shui. Yeah? aménager les espaces is like organize. Les espaces, it's like basically to organize the space or to arrange the space. Cette pratique, that practice. Et de plus en plus à la mode en Europe is more and more fashionable in Europe. Être de plus en plus is to be more and more. À la mode, means in fashion or fashionable être de plus en plus à la mode is to be more and more fashionable les règles the rules les règles du feng shui sont basées sur l'interaction entre les deux forces opposées mais complémentaires yin et yang So the rules of feng shui are based on the interaction between two opposite but complementary forces yin and yang yeah? être basé sur is to be based on l'interaction the interaction entre blah blah et bla bla means between blah blah and blah blah entre les deux forces between the two forces. Entre les deux forces opposées mais complémentaires, between the two opposite but complementary forces. Il peut s'agir de la luminosité et de l'obscurité. It can be about brightness and darkness. S'agir de Yeah, we talked about it earlier. It means to be or to be about. Il peut s'agir. It can be about. Il peut s'agir de la luminosité et de l'obscurité. Du chaud et du froid. Warm or hot and cold. Etc. Etc. Les règles du feng shui. The rules of feng shui sont aussi basés sur, they are also based on, sur l'harmonie entre les cinq éléments. On the harmony among the five elements. Ou xing en chinois. Ou xing in Chinese. Les cinq éléments sont, the five elements are, le bois, wood, le feu, Fire la terre earth le métal metal et l'eau and water les cinq éléments sont associés aux cinq directions the five elements are associated to the five directions le sud south le nord north l'est est l'ouest west et le centre and the center et ils sont aussi associés aux couleurs and they are also associated to the colors aux saisons the seasons aux saveurs the flavors aux odeurs smells et à beaucoup d'autres choses and many other things être associé à is to be associated to something yeah so as usual to enumerate different things i have to repeat the preposition so i'm saying literally um, they are associated to the colors to the seasons to the flavors to the smells and to many other things Elles sont associées aux couleurs, aux saisons, aux saveurs, aux odeurs et à beaucoup d'autres choses. Of course, o is the contraction of a plus les. Pour avoir un logement feng shui, in order to have a feng shui accommodation, meaning a dwelling respecting the rules of feng shui. Vous devez, this is personal, you, you have to, you personally have to. You know? Vous devez faire attention. You must be careful or you have to be careful or you must pay attention to something. You know? Vous devez faire attention à la disposition du mobilier. You must be careful or you must pay attention to the layout of the furniture. Et vous devez aussi faire attention aux couleurs. And you also have to pay attention to colors, Or you also must be careful with colors. Vous devez faire attention à la disposition du mobilier. Vous devez aussi faire attention aux couleurs. Par exemple, for example, il faut mettre le canapé en face d'une fenêtre. It is necessary to put the sofa in front of a window. Et le canapé doit être placé contre un mur. And the sofa has to be put against a wall. In the second sentence, the subject is le canapé. With a noun like this, I have to use devoir. I can't say le canapé faux, for instance falloir can only be used with the impersonal il in il faut it is necessary to you know? so if i want to say the sofa has to i have to use devoir le canapé doit le canapé doit être placé be put or be placed contre against contre un mur against a wall Il faut mettre les fauteuils en face du canapé. It is necessary or it is required or one has to, it is necessary to put the armchairs opposite the sofa. En face du canapé. Opposite the sofa. En face de means opposite something. Et une table basse doit être placée entre les fauteuils et le canapé and a coffee table une table basse is a coffee table doit être placé has to be put or placed you know, or must be put must be placed entre between entre les fauteuils et le canapé between the armchairs and the sofa il faut placer It is necessary to place, to put. Une lampe près du canapé. A lamp near the sofa. Près de means near something. Et les plantes and the plants. Les plantes doivent être mises dans les coins de la pièce. Plants must or have to be put in the corners of the room. Placer et mettre, they both mean to put. Placer, mettre. Être placé, to be put. Être mis, on mise, is to be put as well. Passive. Les plantes doivent être mises. I could say, les plantes doivent être placées. Dans les coins de la pièce. In the corners of the room. Enfin, lastly, dans la cuisine. In the kitchen. Il ne faut pas. One mustn't. Il ne faut pas. Which is the opposite of il faut. Il ne faut pas mettre la cuisinière à côté de l'évier. So one mustn't put the cooker next to the sink. la cuisinière, the cooker. Lévier, the sink, in a kitchen. Yeah? in a bathroom, it's different. It's le lavabo. Et il ne faut pas mettre le frigo, and uh, one on mustn't put the fridge, le frigo, the fridge, trop loin de l'évier. Too far away from the sink. Loin de, means far, far away from something. En tout cas, in any case or any ways, une chose est sûre. One thing is sure, one thing is certain. Mon logement, my dwelling, my accommodation, ne respecte absolument pas les règles du feng shui. Doesn't respect at all the rules of feng shui. Absolument pas is like pas du tout. It means not at all, absolutely not. Mon logement ne respecte absolument pas, il ne respecte pas du tout les règles du feng shui. It doesn't respect at all the rules of feng shui. Okay, that's all for this podcast. Thank you for listening. I hope you enjoyed it. And if you want to get hold of the transcripts and find engaging language activities for this podcast, please visit my website www.explorefrench.com.